Bonjour tout le monde et bienvenue sur J'apprends à lire avec Samy et Julie, le château. Les personnages de l'histoire. Papa, maman, Samy, Julie et Toby. Aujourd'hui sur la plage, il fait très beau. Samy, je ne te le répéterai pas. Sors de l'eau, tu as les lèvres toutes bleues, dit papa. Mets ton chapeau et viens ici que je te frotte le dos. Le soleil va te réchauffer. Je voudrais des gâteaux et du jus d'abricot. Tu peux m'en passer, dit Julie. J'ai faim moi aussi. Papa, on va faire un tour en pédalo. Non, construisons plutôt un château avec le seau, la pelle et le râteau. Au-dessus des murs, papa construit des hautes tours avec des magnifiques créneaux. Que c'est beau! Creusons un fossé autour du château. Tu sais comment on appelait ça autrefois? Oui, des douves. Bravo, Samy! Maintenant, prenez vos seaux et remplissez le fossé d'eau. Oh là là! Il faut beaucoup de seaux pour remplir ces douves d'eau. Regarde, papa. On dirait une piscine. Julie continue de décorer le château avec des bigorneaux, des algues et une étoile de mer. Dans le ciel passe un bel oiseau. Il ne manque plus qu'un drapeau tout en haut et des petits bateaux flottant au fil de l'eau. Pour participer au chef-d'œuvre, maman prête son foulard bordeaux. Ça fera un drapeau rigolo. Et maintenant, prêt pour la photo. Et voilà que Toby arrive au grand galop. Patatras, plus de château, adieu créneau, adieu drapeau. Ce chien, vraiment, quel pâteau!